Télétravail santé. Une bonne posture au travail peut avoir une incidence positive sur notre santé. C'est pourquoi nous vous proposons ici des astuces pour avoir une bonne posture devant son ordinateur. Astuce numéro 1, le fauteuil. Je me mets debout devant mon fauteuil et règle l'auteur de l'assise pour qu'elle se trouve juste en dessous mes genoux. C'est pourquoi un fauteuil réglable est toujours pratique. Je m'assois ensuite avec le dos droit, soutenu par le dossier du fauteuil, et mes pieds bien à plat au sol. Astuce numéro 2, l'ordinateur. La distance idéale à laquelle doit se trouver l'écran de l'ordinateur de mes yeux est équivalente à la taille d'un bras tendu environ. L'écran doit être à la hauteur de mes yeux et mon regard doit être légèrement dirigé vers le bas. Une autre astuce, pensez à régler la luminosité de votre écran pour plus de confort. Et regardez notre vidéo « Soulager les yeux » pour d'autres astuces. Astuce numéro 3, le bureau. Je m'approche du bureau de façon à ne pas avoir mes coudes tendus. Je veille aussi à bien avoir les épaules détendues. Je change la position du clavier pour trouver la bonne position des coudes et des épaules et pour bien placer mes avant-bras. Je dispose mes outils de travail à portée de main afin d'éviter de me tortiller pour attraper un objet. Autres astuces. Étirez-vous sur votre fauteuil. Essayez-vous sur des outils d'aide pour la posture, comme un nouveau fauteuil, un repose-pied, un bureau modulable, entre autres. Buvez de l'eau pour vous hydrater et rappelez-vous, même avec une bonne posture, nous ne sommes pas faits pour rester sans bouger. Pensez à vous lever de temps en temps et à marcher un peu pour activer la circulation du sang et pour soulager vos muscles. Quelle est votre astuce préférée? Répondez-nous en commentaire. Cette série vous propose des astuces simples mais ne remplace pas votre médecin. Consultez toujours l'avis de votre praticienne. Maintenant préparez, découvrez les formations à distance et en présentiel d'Ellipse Formation. Des vies gratuits et audits sans engagement. L'équipe d'Ellipse reste à votre écoute. À très bientôt.